La coup. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Des chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dieu nous accorde la chance une fois encore de nous retrouver. Et ce jour, on lui dit merci. Vous savez, l'exercice par ici, vous le connaissez mieux que moi. C'est le procès d'un artiste ou d'une personnalité culturelle. Pour le compte de deuxième numéro de votre émission, surtout pour cette année 2020, nous avons à la barre un artiste bien connu de tous les Béninois et bien sûr du monde. Il s'agit du concepteur du Nujiwu qui est dans nos murs. Bonsoir. Bonsoir. Le procureur de cette cour n'est plus à présenter. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ Saïté. Bonsoir également. Votre honneur, bonsoir. J'espère que vous avez bien fêté. Oh, grâce à Dieu. Et avec vous, nous aurons lecture des différents chefs d'accusation retenus à l'encontre de l'accusé du jour. Accusé, nom, prénom, date et lieu de naissance. On m'appelle Mignon Wilfried, alias Willy Mignon. Artiste, chanteur, compositeur, producteur. Je suis né le 28 avril 1985. À Parakou, au Bénin. Complément d'information, Willy Mignon est un artiste arrangeur, compositeur, initiateur de plusieurs concepts. Le dernier, on parle là du Koso. Il a à son actif plusieurs albums. Hein. Le dernier a été lancé le samedi passé à Cotonou. Vous confirmez ces informations? Bien sûr. À présent, on aura lecture des différents chefs d'accusation retenus à l'encontre de Willy Mignon avec le procureur de cette cour. On y va tout de suite. Merci, votre honneur. Le premier chef d'accusation stipule ceci. Mauvaise gestion de son succès. Deuxième chef d'accusation. À part le soyoyo de Robinson Sipa, Willy Mignon était sur le chemin de donner au Bénin une nouvelle identité musicale. Mais ce projet n'a pas abouti car il a été influencé par le coupé décalé, ce qui a tout noyé. Troisième chef d'accusation, Willy Mignon est également un arrangeur de son. On lui reproche d'imposer ses rythmes personnels à certains artistes, ce qui ne connaît toujours pas du succès. Et pour finir, Willy Mignon preste depuis quelque temps pour de maigres cachets, ce qui n'honore pas l'artiste. Ce sera tout votre honneur en ce qui concerne les chefs d'accusation retenus contre l'accusé si présent. Et c'est parti pour ces 15 minutes d'échange. On aura bien sûr les réponses de l'accusé du jour. Il s'agit bien sûr de Willy Mignon. Alors on va partir tout de suite au premier chef d'accusation. Mais avant, il a lancé le samedi dernier son nouvel album. Bien sûr. Il parlait-nous rapidement de ça, brièvement. Bon, le nouvel album s'est dénommé Koso 229. On l'a lancé lors d'un géant concert qu'on a dénommé Vivi 229. Vivi 229 est un festival que je suis en train de lancer comme ça. Début d'année 2020, Vivi 229 va parcourir tout le Bénin durant l'année. Et même pourquoi pas, on ira hors du Bénin. Voilà, on va faire la promotion du Nujiwu et la promotion du Koso, comme cela est même sur l'album.
parce que sur l'album, il y a le Koso, il y a du Nujiu et il y a aussi de l'Afrobeat. Et il n'y aura pas que Willy Mignon sur ses concerts Vivi 229, il y aura aussi plein d'autres artistes. Et ce n'est même pas seulement Willy Mignon qui sera tête d'affiche sur tous les concerts. Il y aura des concerts qui seront carrément dédiés à d'autres artistes béninois, d'autres jeunes qui font la pluie et le beau temps actuellement. D'accord. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Les chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Et nous allons démarrer. On rappelle d'abord qu'à la défense, on a Maître Alphonse Ziga qui en place un bonsoir. Bonsoir également, Maître. Bonsoir. Premier chef d'accusation, on y va tout de suite avec vous pour le procureur. Rappelez-nous ce premier chef d'accusation. Mauvaise gestion de son succès. Alors on y va tout de suite. On parle là de mauvaise gestion de votre succès. La question c'est de savoir comment avez-vous entretenu votre succès par le passé. Bon, en fait, aujourd'hui, c'est pour moi beaucoup plus une question de stabilité dans une carrière que de chercher le succès que les autres voient, le succès tel que les autres le voient. Vous êtes d'accord avec moi qu'au Bénin, les choses ne sont pas comme partout ailleurs. Moi, je sors beaucoup du Bénin. Je sais ce que ça veut dire qu'un succès. Et je sais ce qu'un artiste peut réaliser à travers un succès. Ce qui n'est toujours pas le cas au Bénin. Au Bénin, tu brilles. On est d'accord ? Et si tu ne sais même pas faire, en matière de réalisation, tu recules. Mmh. On est d'accord ? Donc, à partir d'un moment, moi, j'ai commencé à voir les choses autrement. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas de chercher à être vu partout, de chercher à être appelé partout. Mm-hmm. C'est plutôt de chercher à réaliser, à travers ma carrière, à avoir des résultats que moi j'appelle des résultats vraiment positifs. Alors, procureur, vous avez suivi l'accusé du jour qui répondait déjà à cette première question. Votre honneur, à entendre l'accusé, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas été préparé à ce succès-là. Premier point. Et que j'ai envie de lui demander aujourd'hui, est-ce qu'il est conscient déjà qu'il a connu un succès? Et est-ce qu'il est ensuite conscient qu'il n'a pas pu entretenir ce succès? J'aimerais bien que l'accusé nous réponde sur ces points. Vous avez écouté la question avancée par le procureur, vos réponses. Merci, monsieur le procureur. Moi, je pense que d'abord, votre manière d'entamer la deuxième question, ça ne me satisfait pas parce que je ne suis pas sûr que c'est à m'entendre que vous l'avez dit. C'est peut-être ce que vous aviez préparé, c'est le préjugé que vous aviez. Mais tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, permettez à l'accusé. Moi, je pense que évolue un peu. Moi, je pense que les Béninois voient le succès autrement. Mm-hmm. Et en réalité, le succès est autre. Une chose est de briller et d'être appelé partout, d'être sur toutes les scènes et tout. Mm-hmm. Mais une chose est vraiment de s'imposer de manière internationale d'abord, parce que le Bénin, pour moi, c'est à peine 10 millions d'habitants. Mmh. Or, il y a beaucoup d'autres artistes qui font leur carrière pour des milliards d'habitants. Donc, vous pensez que... Pour des millions, des centaines de millions d'habitants. Vous dites que c'est à peine, ça veut dire que vous êtes réducteur. Hein? Ben oui, parce que s'il y a 10 millions d'habitants au Bénin, il n'y a pas 10 millions ce n'est pas, ce n'est pas à peine. Pardon, écoute-moi. Écoutez-moi, votre honneur. J'ai dit, si le Bénin fait 10 millions d'habitants, il n'y a pas 10 millions d'auditeurs. Mmh.
On est d'accord? Oui. Il n'y a pas 10 millions de mélomanes. Voilà, donc je parle du public. Donc pour être réaliste, on ne preste pas pour 10 millions de personnes. À peine, il y a un public de 1 million de personnes, de 2 millions de personnes, 3 millions de personnes qui peuvent te suivre. Encore que je ne suis pas sûr qu'on atteint ces chiffres-là. D'accord. Procureur. Donc, à partir d'un moment, moi j'ai constaté que il faut reprendre les choses à zéro. Parce que je connais beaucoup d'autres artistes comme moi qui ont eu le succès au Bénin, comme on le dit. Et quand moi je fais le calcul après, pour moi ce n'est pas du succès. C'est juste un leurre. C'est juste une flamme qui brûle, qui est un feu de paille. Et après, tout le monde revient à zéro. Et on ne sait même plus qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Je vous donne une preuve. Peu d'artistes béninois sont connus même au Togo. Peu d'artistes béninois qui se disent même des stars. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis parce que moi je sors. Parce que vous n'êtes pas le chiffre à nous avancer. Moi je sors du Bénin. Vous pensez que nous qui vous suivons ne sortons pas? Ouais, vous sortez peut-être. D'accord. Mais si vous allez dire la vérité, il y a plein d'artistes béninois qui font la pluie et le beau temps au Bénin. On va qui ne sont même pas connus à Ilha Kondji. Oui, procureur, vous avez une relance, allez-y. Merci, votre honneur. Déjà, j'aimerais notifier à l'accusé ici présent qui n'a pas à apporter d'avis sur nos appréciations et nos analyses. Il est devant une cour, il se doit de respecter la cour. Premier point. Ensuite, pour revenir à ses propos, on a parlé de la mauvaise gestion de son succès. Et dans son explication, on sent quelqu'un qui n'est même pas conscient qu'il a connu un succès. En premier point. Et en second point, quand il illustre ses propos par un succès que d'autres n'auraient pas en dehors du Bénin, je pense qu'il est en train de faire fausse route dans son argumentaire. Et je vais finir et poursuivre par sa personne quand il parle de 10 millions d'habitants du Bénin et que quand on a un succès, que c'est à peine 1 million qui nous écoute, je dis une fois encore qu'il est dans un imbroglio total parce que l'accusé-ci ne maîtrise pas totalement ce qu'il avance. On aimerait qu'il nous explique la mauvaise gestion de son succès et jusque-là, on n'a pas encore été satisfait. Soit l'accusé-ci nous avance les raisons pour lesquelles il n'a pas pu gérer son succès parce qu'il en a connu. Et c'est pour ça que je disais qu'au départ, on semble qu'il ne soit pas préparé à cela. Maintenant, si l'accusé n'arrive pas à nous expliquer, on peut passer au prochain chef d'accusation. On va quand même l'écouter. Voilà, je dis et je le répète. Oui, allez-y. Je dis et je le répète. Moi, dans ma carrière, à partir d'un moment, je me suis dit que je n'ai pas eu du succès. Parce que pour moi, ça là, ce n'est pas du succès. Il y a beaucoup d'artistes béninois qui ont ça, qui ont moins que ça, qui pensent que déjà, ils ont du succès. Moi, je me suis dit, à partir d'un moment, il faut que je recommence à zéro. Parce que ce que j'ai là, ce n'est pas ça n'a pas une bonne base. On est d'accord. Donc, je dois partir sur de bonnes bases, me dire que je n'ai pas du succès. On est d'accord? Et reprendre quelque chose à zéro. Ce n'est pas une bonne base, c'est parce que vous ne maîtrisez pas cette base-là. Parce qu'on vous entend, vous ne savez réellement pas que vous aviez eu du succès. On vous entend parler, monsieur l'accusé. Oui, parce que pour moi, quand j'ai des collègues, on est d'accord, j'ai des collègues au-delà d'ici qui ont du succès. On peut citer un exemple, allons-y sur un terrain d'exemple, allez-y. Moi je côtoie très bien Rafat, Didier. D'accord. Je côtoie très bien Serge Beno. Je côtoie très bien Baby Philippe, Serge Beno et moi, on travaille dans le même studio à Abidjan. On est d'accord? D'accord, allez-y. Je côtoie très bien Toufan, c'est mes gars. On est d'accord? Donc pour moi, je ne peux pas comparer mon succès au succès de ces gars-là. Vous ne pensez pas que quand vous avez sorti vos premiers sons qui ont vraiment émergé, ça avait drainé du monde. Et dans cette même période-là, on avait certains qui n'avaient pas atteint la cote de popularité. Que moi j'avais? Oui. Bien sûr. Et c'est pour ça que je dis, j'ai constaté à un moment donné que je dois faire de la musique pour le monde. Et non de la musique pour le Bénin. On est d'accord? Votre honneur, si vous le permettez, très rapidement, évidemment, monsieur l'accusé, si vous le permettez, vous ne trouvez pas que c'est une insulte à votre nation de penser que vous faites une musique pour le monde? Parce que si le monde doit vous accepter, c'est d'abord votre pays qui doit commencer par vous accepter. De dire que vous ne faites pas une musique pour le Bénin, que vous fassiez une musique pour le monde, est-ce que le Bénin est à extrait du monde? Vous venez de vous répondre.
Est-ce qu'on peut procureur, vous venez de reprendre. Est-ce qu'on peut extraire le bénin du monde? Voilà, on peut pas extraire le bénin du monde. Donc quand je fais la musique pour le monde, alors, ça me dit que je fais déjà la musique pour le bénin. Mais si je me concentre sur le bénin, le monde n'est pas dans le bénin. Mais le Bénin est dans le monde. Les Béninois sont dans le monde également. Voilà. Et qui peuvent porter votre musique au-delà des frontières du Bénin. Si je fais de la musique pour le monde, si je me dis qu'à partir du moment, il faut que je reparte, me calmer, travailler dur pour faire de la musique pour tout le monde, au lieu de rester là à faire de la musique que les Béninois aiment, c'est un choix pour moi. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les Béninois qui vous ont éperonné, qui vous ont poussé à cette hauteur? Je ne suis encore nulle part. Je remercie les Béninois qui sont toujours avec moi, des fans qui sont toujours avec moi. D'ailleurs, samedi dernier, beaucoup de personnes, comme vous le dites, qui pensent que Willy Mignon avait eu un succès qui n'a plus de succès, ont été étonnés de voir plus de 2500 personnes dans le temps où nous sommes un jour, un samedi. On va pas avancer des chiffres qui ne sont pas totalement prouvés. 2500 personnes, je pense que vous êtes en train d'aller un peu au-delà des estimations, ou plus vous allez apporter des chiffres réels, parce que 2500 personnes, on a eu des personnes qui se sont déplacées, on a même eu une équipe ici qui allait là-bas, mais je pense que c'est un peu trop exhaustif votre estimation. Vous estimez mon public à combien de personnes? J'ai pas à vous répondre ici, parce que vous êtes dans la position de répondre. C'est à vous de nous apporter des chiffres réels avec des preuves à l'appui. Si j'apporte des chiffres que vous ne trouvez pas réels, vous pouvez contre-attaquer. On a eu des équipes, on a eu une équipe sur le terrain, et c'est pour ça qu'on estime pas à 2500. En tout cas, on va pas. Allez-y. Si vous n'avez pas des preuves, donc vaut mieux ne pas me non, mais vous n'avez pas fait 2500, Willy Mignon. Écoutez, les images sont là. Soyez moins exhaustive dans vos chiffres. On va continuer avec la réponse. Vous avez tout au moins fait 500. J'ai fait 1000. Je pense que vous soumettez, nous ne sommes pas là pour vous répondre. Bon, on continue. On va recentrer le débat. Vous n'allez pas quand même poser des questions au procureur, c'est pas votre rôle. Il vous pose des questions, vous répondez et on avance. Mais il pose des questions, je réponds, il veut me contredire. On veut de la lumière, parce que quand on parlait de vous évoquez un chiffre, personne n'a véritablement déployé sur le terrain les éléments qui vraiment les indicateurs de base pour dire qu'on a véritablement tel nombre de personnes qui étaient là présents. On va pas quand même revenir sur ça, on va évoluer. Donc en somme, avant de boucler cette partie et passer à la recherche je résume ma réponse par rapport à sa question. Oui. Pour moi aujourd'hui, Willy Mignon se dit que ce qu'il a eu, il n'appelle pas ça du succès. Parce que moi je suis sorti, ce que vous dites que moi j'ai eu comme succès, moi j'ai eu au-delà de ça. On est d'accord? Parce que je suis sorti. Pas plus tard que il y a 3 mois, moi j'ai joué au Palais des Congrès de Lomé pour un public qui peut-être me découvrait. On est d'accord? Je ne vais pas dire que c'est un public qui m'attendait. On est d'accord? Mais il y a les images. Moi j'ai eu au-delà de ce que les Béninois pensent de moi. Je ne fais pas forcément des retours aux Béninois de ce que je vis à l'extérieur. Parce que pour moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Pour moi, c'est convaincre l'extérieur, convaincre le monde entier, convaincre les Béninois aussi. Donc, si à partir d'un moment donné, je me suis dit, ok, ce que j'ai là, je considère que c'est rien. Je reprends à zéro parce que je veux reprendre sur de très bonnes bases. Oui. Une musique, c'est d'abord la production à la base, la qualité de la production. On est d'accord? La couleur, l'actualité. Donc, si j'ai quelque chose de semblant que les Béninois peuvent aimer, adorer, me glorifier, et que ailleurs ça ne passe pas, pour moi ce n'est pas encore un succès. D'accord. Donc je me suis dit, il faut me calmer, il faut retravailler, et c'est ça le travail que j'ai amené. C'est le samedi dernier que j'ai sorti ce travail là on va le voir, parce qu'on peut pas, on peut pas, du coup samedi c'était que il y a quelques jours, on va prendre le temps de l'apprécier, dans le temps. On va évoluer maintenant avec le chef d'accusation numéro 2. On parle là de toujours Willy Mignon. À part le Soyoyo de Roby Sensi, par Willy Mignon était sur le chemin de donner au Bénin une nouvelle musique identitaire. Mais ce projet n'a pas abouti, car il a été influencé par le coupé décalé qui a tout noyé. Je peux répondre? Allez-y, oui. Merci, votre honneur. Ça, c'est toujours pour moi les avis de certaines personnes, pour moi, qui ne sont pas fondés. Parce que souvent, quand on rentre dans les détails, les gens même qui posent ces questions se perdent. Comment expliquer un peu? Voilà.
Souvent, je demande aux gens, je ne vous pose pas la question, hein. Allez-y. C'est mon expérience sur le terrain. Quel est le tout dernier tube de Willy Mignon que tu connais et que tu as kiffé? Les gens me citent depuis le début. Melody, Marche en avant, Sista. Je dis ok. Après Sista, quel est le son de Willy Mignon que tu n'as pas kiffé et que tu considères que c'est du coupé décalé? Les gens n'arrivent pas à me répondre. Parce que moi, tel que je vous le dis, si je vais citer degré de succès, le plus haut niveau de mon succès, que moi-même je reconnais, c'est Sista. Vous parlez encore de succès, hein. Entre-temps, vous n'êtes pas favorable à cela. Maintenant, vous ramenez le mot. J'ai dit en matière de degré, oui. Je pèse mes mots. D'accord. Je sais ce que je dis. Allons-y. On est d'accord? J'ai dit, j'ai eu quelque chose que les gens appellent du succès. Mais moi, je ne considère pas ça. Et pour vous, c'est quoi alors? Comme du succès. Pour moi, c'est peut-être même... C'est de l'entrée en matière. D'accord, allez-y. Je n'ai même pas encore commencé. On avance. C'est maintenant on va commencer les bonnes choses. Oui. Donc, je dis, si on va parler en termes de degré, de popularité, de succès... Ce que les gens ont aimé de Willy Mignon, moi-même je reconnais au fond de moi qu'il y a eu Melody. Après Melody, il y a eu Marche en avant qui est venu donner encore plus. Et puis il y a eu Sista qui est venu donner encore le comble. On est d'accord? Il n'y a pas un seul Béninois qui va te dire je n'ai pas aimé Sista. Maintenant, à part Sista, quel est le tube que Willy Mignon a sorti qui fait couper décalé et que les Béninois n'ont pas aimé? Ces mêmes personnes-là sont bloquées à cette question-là. Parce que ces mêmes personnes se disent « Waouh, Sista, je kiffe. Marche en avant, je l'aime, c'est fort. » Mais là, qu'est-ce qui est venu bloquer? Ce qui s'est passé, c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. D'accord. Il y a eu une question, allez-y rapidement. Il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre de leadership, une guerre de concept. Parce qu'à un moment donné, comme vous le dites, sur les scènes au Bénin, si ce n'est pas Willy Mignon, c'est un artiste de Willy Mignon. C'est-à-dire, si ce n'est pas Willy Mignon, c'est un produit de Willy Mignon. On est d'accord? Les gens se sont dit, ça commence pas à déborder. Il faut qu'on fasse la guerre à ça. Des gens sont allés même à faire des réunions. J'ai appris beaucoup de choses. Vous avez eu des preuves? Je ne peux pas soulever des preuves ici parce que je ne peux pas appeler des noms de personnes. Parce que vous n'étiez pas présent. On est d'accord? En son temps, les gens ont voulu même utiliser d'autres rythmes du Bénin pour contre-attaquer le Noudiou. Or, ce qui n'était même pas... ça n'avait même pas de sens. Parce que dans un même pays, il peut y avoir plusieurs concepts qu'on va adopter et que moi-même, je peux encore supporter, soutenir. Des gens sont allés même jusqu'à dénicher des artistes à moi. C'est-à-dire aller parler à des artistes. Pourquoi tu suis Willy Mignon? Pourquoi tu travailles encore avec Willy Mignon? Pourquoi tu fais du Noudiou? Ne fais plus ci et ça. Moi, j'ai fait des artistes qui ont fait du Noudiou et après, leur succès, ils ont déclaré non, moi je ne suis pas dans Noudiou, hein. Moi j'ai déjà laissé. On connaît ça dans ce Cotonou. Donc, finalement, les gens même, ils se contrarient. Ils ne savent même plus ce qu'ils racontent parce qu'ils ont mis des choses dans les la tête. Les gens ne savent pas ce qu'ils racontent. Vous parlez de vos mélomanes, de vos fans. Non, je ne parle pas des mélomanes. C'est des noyaux. Ils sont qui alors? Soufflé du vent. Oui, c'est des gens du showbiz. On est d'accord, c'est des acteurs du showbiz. Qui ne vous aiment pas. Qui ne supportait pas l'effet. Qui ne vous aime pas? Bon, je suppose. Peut-être que c'est moi qui n'aimais pas. Peut-être que c'est le Noudiou qui n'aimait pas. D'accord. On est d'accord. Parce que, moi, ma question est très simple. Après Sista, quel est le tube de Willy Mignon qui fait de couper décalé que vous n'aimez pas? Les gens n'arrivent pas à répondre à ça. D'accord. Je pense que le procureur va vous relancer sur une question. Voilà. D'abord, déjà, votre honneur, j'aimerais quand même demander à l'accusé d'éviter beaucoup plus de subterfuges, d'aller droit au but, de nous épargner de certains détails. Parce que dans son développement, il n'a pas encore réussi à me convaincre. Moi, pour nous permettre d'aller de façon méthodique et scientifique, vu qu'il est arrangeur de son, il va nous dire déjà à la base quelle est l'origine du Noudiou. D'où le Noudiou est parti. Et ensuite, quels sont les éléments qui nous ont permis la première composition musicale du Noudiou? D'accord. C'est-à-dire, on va prendre le BPM, on va prendre les ingrédients qui sont rentrés dans le tout premier morceau Noudiou qu'il a produit. Ensuite, il va nous dire dans l'évolution de son concept,
qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le BPM au niveau de Mendedi est resté le même au niveau de Sista? Est-ce que ce n'est pas parce que le BPM au niveau de Sista a des affinités ou ressemblerait au coupé décalé qui aurait amené les gens à nous développer ceci ou cela? On aimerait quand même que l'accusé aille sur ce terrain-là pour mieux éclairer notre antenne. D'accord, je pense que vous avez compris. Hein. Merci. Moi, je pense que je vais le détailler, mais ça ne va pas nous permettre de comprendre le nœud du problème. Parce que pour moi, à la base, je vais vous dire quelque chose. Le Noudiou, c'est beaucoup plus un concept qu'un rythme. Le Noudiou, ce n'était pas un rythme que Willy Mignon a créé. C'est quelque chose qui existait, que Willy Mignon a adopté et il a créé un concept autour de ça. C'était une manière de penser, c'était une manière de danser. À l'époque, vous ne vous êtes pas expliqué de la sorte. Hein. Donc vous, non, mais le Noudiou. Vous dites pas là que. À l'époque, vous étiez concepteur. Voilà, vous dites pas là oui, que. Oui, est-ce que vous m'entendez? Le Noudiou était pratiquement. J'ai dit le Noudiou, c'était beaucoup plus un concept qu'un rythme. D'accord. Écoutez-moi quand je parle. Je suis. Vous pensez qu'on ne vous écoute pas quand vous je parlez? Je suis non seulement artiste, mais je suis arrangeur. Je suis musicien. Donc je pèse mes mots quand je parle. Et quand je parle, écoutez-moi très bien. On n'est pas sourd. Le Noudiou, vous n'allez pas demander. Demandez à la cour de vous écouter. La cour voit qu'elle va quoi. Je pense que la cour prête oreille à tout ce que vous dites. Bah voilà. Et on vous suit. La cour est là pour m'écouter. Si je demande encore à la cour de m'écouter, je n'ai pas encore. Évitez cette tautologie. On doit avancer dans le. Bah voilà. Écoutez-moi intelligemment alors. Donc je dis, quand je dis le Noudiou, c'était beaucoup plus un concept qu'un rythme que j'ai créé. J'ai créé un concept autour d'un rythme qui existait déjà. Le Noudiou, c'était fait autour du high life. Le premier rythme Noudiou, autour du high life. Donc tout ce que j'ai apporté de nouveau, c'était peut-être ma manière de chanter. Et le rythme, la danse, c'est pas le rythme, la danse que j'ai apporté. On est d'accord? Tout cela faisait un concept, une manière de penser, une manière de danser et l'appellation. Le mot Noudiou, oui. Tout simplement, voulait déjà beaucoup dire aux Béninois. On est d'accord? Et c'était la première fois que le Béninois découvrait une danse. Bon, dans notre génération, avant moi, il y avait le Soyoyo, comme vous l'avez cité. Donc, au niveau de ma génération, les gens ont découvert une danse qui les a plu. Au départ, pour moi-même, c'était juste une grimace que je faisais. On le suit. J'aimerais bien suivre la suite. On a besoin d'un petit détail sur lequel il est important qu'il nous aime. Oui. Donc, ça veut dire que les pas de danse du Noudiou sont votre propriété intellectuelle. Bien sûr. Ça vient de vous. Oui. D'accord. Donc, les gens ont kiffé. On a continué. Donc, pour moi, le Noudiou, ce n'était pas encore un rythme béninois. C'était un rythme d'où alors? C'est un rythme de la côte ouest africaine. Mm-hmm. Ça vient du high life. Co, 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 co. On ne l'a pas inventé, ça existait depuis. On est d'accord? Après, on a évolué. Parce que la musique autour de nous aussi évoluait. Et je ne veux pas tergiverser dessus. La musique évoluait et j'ai évolué avec la musique. Je m'en fous du coupé décalé. Je m'en fous de la musique de tel pays. Mais mon public avait besoin de quelque chose que je lui servais. Et ça marchait. Les gens appréciaient. Les gens appréciaient même plus que le premier. On est d'accord. C'est vous qui le dites. Les preuves sont là. Vous-même, vous le savez, votre honneur. Non, nous ne savons pas. Vous ne le savez pas. Nous savons on ne peut pas savoir et poser la question parce que nous, on voudrait avoir la lumière. Moi, je suis d'accord que Mélédi a eu du succès, mais reconnaissez que Mars en avant a eu encore plus de succès que Mélédi. Et que Sista. Mais quand vous nous dites ça. On le suit. Quand vous nous dites ça sans les chiffres, ça n'a aucun besoin. Si je dis des chiffres, tu vas refuser. Non. Moi, je suis prêt à t'amener des preuves. Si vous voulez, on fait une autre émission et j'amène des preuves. Moi, j'ai des agendas de mes prestations. Allez-y. On est d'accord? Les chiffres YouTube, les plateformes de téléchargement, les trucs là sont là pour nous renseigner mieux que vos agents. Voilà, c'est ça qui a été le péché des artistes de ma génération. Et quand on va parler d'erreurs dans la gestion de carrière, moi, Willy Mignon, je peux taper la main sur la poitrine pour dire que j'ai mal géré
ma carrière sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu vas m'aider, dire que tu as kiffé tant, mais tu ne vois pas beaucoup de vues. Parce que Willie Mignon n'a jamais posté Melody sur YouTube en son temps. Willie Mignon n'a jamais posté Mars en avant, si c'est sur YouTube. C'est d'autres personnes qui l'ont fait. Je n'ai pas entretenu. Ça veut dire que dans le temps, vous avez le succès, vous vous a pris la tête, vous avez oublié non. les éléments qu'il faut pour votre carrière. Bon, en tout cas, j'ai dit que je reconnais que je n'ai pas entretenu ma communication sur le web. D'accord. Je ne connaissais pas ça. Justement parce que vous ne vous attendiez pas à ce type de succès très tôt. C'est deux choses différentes. Ah non, c'est ça. C'est deux choses différentes. Si je m'attendais au succès et que je n'avais pas l'habitude de faire ma communication sur le web, c'est deux choses différentes. Donc ça veut dire que vous n'étiez véritablement pas préparé au travail d'artiste. Parce que entre temps, j'accepte. Je n'étais pas préparé au travail d'artiste. Non. On se calme. On est d'accord. On se calme, monsieur l'accusé. Et on se suit. Oui. Parce que vous nous avez dit entre temps que vous avez évolué avec la musique. Bien sûr. Et si vous avez évolué avec la musique, c'est que vous deviez pouvoir évoluer avec toutes les stratégies qui entouraient la musique qui évoluait. Donc, de nous dire à un moment que vous n'étiez pas habitué, ce n'est pas une affaire d'habitude, mais vous étiez plutôt ignorant de cette technologie-là. Oui, on parlera de négligence alors. Moi, je suis très simple et je suis clair dans tout ce que je dis. Vous reconnaissez qu'il y a une négligence? Bon, une négligence, mais c'est beaucoup plus une ignorance, tel que je l'ai dit. Parce qu'une carrière, je pense qu'elle se construit, elle s'entretient. Et quand on néglige certains paramètres, une carrière se construit, elle s'entretient. Est-ce que vous reconnaissez avec moi qu'il y a plein d'artistes béninois? Parlez de vous. Plein d'artistes béninois comme oui. moi. Oui. Parlez de vous, oui. Qui font cette erreur. Donnez-nous des noms. Des noms. Donnez-nous des noms. Oh putain. Allez-y. Oui, parce que quand on évoque, c'est la chose la plus flagrante même. Pourquoi je vais donner des noms d'artistes? Non, mais vous n'allez pas dire qu'il y a tel. Sans évoquer un nom. S'il vous plaît, allez sur son terrain, allez-y, dites-nous maintenant si c'était des noms. Donnez-nous des noms. Je vous donne un petit exemple simplement. Oui, allez-y rapidement. Avant la pause. Des artistes de la génération Willie Mignon. Mm-hmm. Ouais. Ou des artistes d'avant la génération Willie Mignon. Oui. Tous ces artistes-là n'ont pas la culture. N'ont pas eu la culture de la communication web. C'est versé. Je peux vous contredire. Avec quoi? Je peux vous contredire. Je peux vous donner un artiste de la génération d'avant vous. Oui. Hein, qui sait très bien utiliser le web. Je vous donne simplement l'exemple de Zainab. Elle est présente sur le web. Et pourtant, c'est une génération avant vous. Dans la musique béninoise. C'est juste là pour vous ramener sur le terrain. Vous pouvez continuer dans votre argumentaire. Un exemple parmi 100. Vous connaissez ça au moins parce qu'il a cité un pour vous montrer que vous donnez-moi un autre exemple. En son temps, vous n'avez pas eu maintenant la chance de nous citer seulement un seul artiste. Non, pourquoi je vais citer des artistes? Vous devez pouvoir étayer vos arguments. Je ne peux pas citer des artistes. Vous devez le faire. Sur un plateau pour dire que tel artiste a fait telle erreur, tel artiste a fait. Pourquoi vous les mentionnez alors? J'ai mentionné qui? Pourquoi vous mentionnez personne? Pourquoi vous mentionnez alors que des artistes n'ont pas pris en compte Internet? J'aime les débats. Intellectuel, des ici, débats c'est, intelligents. Ici, c'est pas, c'est, on n'est pas dans j'aime un débat. Débats honnêtes. Nous ne sommes pas dans un débat. Vous êtes devant une cour vous devez répondre face au chef d'accusation. S'il vous plaît, je viens. Il y a un débat. Dès qu'il y a, je viens, s'il vous plaît. Dès qu'il y a interlocution, excusez Willie Mignon, on va encore ramener le calme. Bien sûr. Et que vous ne parlez plus du débat intellectuel. Nous sommes tous des intellectuels. Bien sûr. Et c'est de mais quand le débat intellectuel, il faut de l'honnêteté dedans. C'est de l'injure quand vous commencez par dire que vous voulez un débat intellectuel alors que ceux qui sont en face de vous sont bien sûr intellectuels. Ce que vous devez vous demander, c'est de répondre aisément aux questions qui sont posées. Et ça va. On peut y aller maintenant. On a encore 2 minutes avant la pause. Allez-y, vous avez un mot avant la pause. Ce que je dis. Si vous voulez, ne parlons même pas de génération. Mm-hmm. Parlons des artistes même de la musique urbaine et des artistes de la variété. Oui. C'est une question de culture. Et je me vois même dans la chose. Je vous dis, il y a plein d'artistes comme moi. Oublions les autres. Je suis d'accord que j'ai été ignorant de la communication sur le négligent. Net par rapport... Surtout non. Négligent. Non. Si je le savais, j'allais le faire. On est d'accord? Vous pouvez le prendre comme de la négligence si vous voulez. Mais moi, je reconnais que c'était de l'ignorance. Allez-y. On est d'accord? Donc, moi, quand je dis que je suis reparti en arrière et que je veux retravailler sur de nouvelles bases, je mets tout ça là-dedans. On est d'accord? Je ne peux pas vous donner tous les détails. Mmh.
Parce qu'un artiste que vous reconnaissez, qu'il a fait du succès, que vous-même vous dites qu'il a fait du succès, et que cet artiste-là, avec les morceaux avec lesquels il a fait du succès, il n'arrive pas à avoir, il n'a pas 20 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, 1 million de vues sur ces morceaux à succès, ça veut dire qu'il y a eu un problème, et moi-même je reconnais. Donc si je reconnais ça, on oublie ça et on continue. C'est parce que je reconnais et que je me dis aujourd'hui que je dois reprendre le travail sur de nouvelles bases. Parce que je ne peux plus repartir en arrière aujourd'hui et ressortir Melody et faire de la communication web sur Melody. Je dois regarder devant et aller en avant. Alors nous allons marquer la pause, voilà. Parce que l'heure évolue. On marque la pause quelques minutes pour respirer un petit peu. Et on se retrouve bien sûr après cet élément. Serge Beat, arrangeur le Béninois, la team qui gagne. Sheko, we for dear. Sheko, nada ho dear. Sheko, we're in way. Sheko, wa ma ho true no way. Tu la idon a nulu koya, bo flag babo na soi do l'histoire. Bem tu le me wa lo ki po eke kabo mondo, asi me bo yonkun. Baby, I don't vola. Sheko, I yon di jola. Den don we don know a zodo minister, baby, bo skere wen dan we. No, ba, ba, ba. Bo no lu trache proper. Sheko, ye iti no vi we don wa. Amo onye no sofa bo no ba, ba. Ba, 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 we. Ba, 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 we. Ya, 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 Seko Oya Zandi Papa Kawe Papa Kawe Gaga Kewe Gule Pao Kwe Baby King Oya Zandi Monchito DJ le Tepo Rochon Cédric DJ le Montana Mokonzi DJ Max le Gouverneur Niemo Mino Tebo Kife Nwa Wile Ro Wini Gwe Manga Teste Ido Boss Deke Dewe Nwa Proche Mika Tundo Mio Mito Non Sien Tache Chika O Meton Meton We Chacho O Meton Meton We Et là on écoutait la dernière sortie de Willy Mignon. On va évoluer dans ce procès. Tout de suite le troisième chef d'accusation. On le rappelle tout de suite. Alors, troisième chef d'accusation, Willy Mignon, était également arrangeur de son. On lui reproche d'imposer ses rythmes personnels à certains artistes, ce qui ne connaît toujours pas le succès. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai même pas envie de répondre à cette question parce que je ne sais pas d'où viennent les questions. Je suppose mais que vous... ça ne vient pas de vous. Peut-être. Mais qui vous lit ces questions? Qui vous lit ces chefs d'accusation? Non, vous les lisez, mais peut-être que l'inspiration, peut-être que ça vient d'autres d'autres personnes et tout. Parce que moi, je ne me reconnais pas dans cette question. Il y a eu plein d'artistes qui sont sortis au Bénin, avec qui j'ai travaillé. C'était quelques-uns. C'était quelques-uns. Mon rythme. Non. Tous les artistes d'ailleurs, parce que quand un artiste fait un album chez moi, moi j'ai jamais fait un art, même moi-même mes propres albums. Oui. C'est là où je dis que les Béninois ne connaissent même pas très bien Willy Mignon. Alors, les gens prennent juste donc, la façade. Vous parlez de tous les Béninois, c'est que vous ne respectez finalement pas vos fans. Non, je dis quand je fais un album, même de Willy Mignon, à peine il y a au moment où le Noudi ou même était en avait le vent en poupe, il y avait à peine un ou deux morceaux Noudi ou sur l'album. Bien. On est d'accord? Et tout le reste, c'est de la variété. Donc moi-même déjà, je ne fais pas que du Noudi ou. Et les artistes qui viennent vers moi, je ne leur fais pas que du Noudi ou. Vous prenez un album de Dossi, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que du Noudi ou dessus. Il y a à peine deux ou trois sons Noudi ou dessus. Et tout le reste là, c'est plein d'autres choses. Vous prenez l'album de Kemi, il n'y a pas que du Noudi ou dessus. Le Noudi ou s'est imposé parce que le public l'a kiffé. On est d'accord? Le Noudi ou s'est imposé parce que le public l'a kiffé et l'a adopté. Et voilà. Donc vous ne demandez moi, pas... Moi, je n'ai jamais... Oui. C'est là même que je pense que la
la question n'a même pas sa raison d'être. Vous ne demandez pas à certains artistes de faire ce rythme? Jamais. 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 Le Koso, les artistes viennent vers moi et disent. Attendez. Ouais. Le Koso. Ouais. D'autres ont fait. Mm-hmm. Vous n'avez pas proposé le Koso à certains artistes? Jamais. Vous le dites parce qu'on ne peut pas les appeler en direct? Non, vous pouvez appeler, demander. Moi, c'est-à-dire. Moi, je fais de la musique. Parce qu'on a appris que vous avez imposé à certains artistes, fais le Koso. Vous les amenez maintenant à faire votre concept? Jamais, jamais. Des gens me proposent même, des gens sont partis même jusqu'à me proposer de faire des prix promotionnels pour que des artistes viennent faire du Koso. J'ai dit non. Mon studio, je le fais à tel prix. Si quelqu'un veut venir faire du Koso, la personne vient faire du Koso, il le paye. Si quelqu'un veut faire n'importe quoi, la personne paye. Parce que moi-même, à la base, je n'ai même pas de préférence en matière de musique. Je fais de la musique. Écoutez mon album pour voir combien de morceaux Koso il y a dessus. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai juste décidé de travailler un rythme que je trouve que c'est intéressant pour le Bénin. On est d'accord? Et il n'y a pas. Même quand vous écoutez le morceau Médicament, à part le fait que j'ai prononcé Koso dedans, il n'y a pas du tam-tam, il n'y a pas le tambour Koso dedans. Le morceau Médicament, c'est beaucoup plus même du Ndjiou. D'accord. Alors, procureur. On vient d'écouter un morceau. Ce n'est pas du Koso. D'accord. Voilà. Donc, moi, je n'impose rien à personne. C'est plutôt les gens qui viennent vers moi pour dire ah, tel rythme que tu as fait pour telle personne, comme ça marche, je voudrais aussi le faire. Ça marche, le Koso? Le Koso vient de naître. En tout cas, on va voir. Oui, procureur, oui. Oui, votre honneur. J'ai quand même envie qu'on éclaircisse la lanterne de plusieurs personnes sur des terminologies. Le Koso, pour ma foi, l'artiste vient de le dire, l'accusé vient de le dire, que ça vient de naître. Mais le Koso, pour ma foi, existait déjà au Bénin. Est-ce que c'est le Koso personnalisé, version Willy Mignon, qui vient de naître, ou est-ce que c'est le Koso lui-même qui vient de naître? J'aimerais déjà que l'accusé me réponde sur ce point-là. J'ai répondu à ça déjà en parlant. J'ai dit, le Koso, c'est une musique de chez nous que j'ai décidé de valoriser. Donc, le Koso personnalisé de Willy Mignon vient de naître. Il n'y avait pas cette clarification. Il est important quand même de le souligner. Je suis d'accord pour la question. Je viens de répondre à ça. Merci de le notifier. Deuxième question. Quand vous disiez que vous n'imposez pas vos rythmes aux artistes, donc est-ce à dire que dans la vague de tous ceux-là qui après vous ont fait du Ndjiou, qui sont sortis du studio, aucun parmi eux ne l'a fait parce que vous lui avez demandé de le faire pour vous soutenir? Jamais. Je devant Dieu, devant les hommes. Vous avez demandé, recommandé, invité certains artistes, surtout à faire le Koso. Qui, par exemple? Vous voulez que je vous donne des noms, c'est ça? Oui, donnez-moi des noms. Non, c'est pas et moi si possible, vous. On va appeler la personne sur ce plateau c'est à même temps. C'est pas à moi de vous donner des noms. Ah bon? Vous savez bien tout à l'heure, vous m'aviez demandé de donner des noms. Vous êtes arrangeur de son? Je n'ai jamais. Et le nombre d'artistes qui viennent chez vous pour faire, bien sûr, pour travailler, vous les connaissez bien. Et vous savez que parmi eux, il y a des gens maintenant qui font le Koso, que vous avez amené à faire le Koso. Jamais. Sont nombreux. Jamais. Jamais. Apportez-moi des preuves. D'accord, on va évoluer. Parce que là, ma preuve est que moi-même, sur mon propre album, il n'y a pas que du Koso. Donc, je ne peux pas imposer à un autre artiste. Moi, je produis des artistes qui ne font même pas du Koso. Des artistes que moi-même, je produis avec mon argent, avec mon studio, qui ne font pas du Koso. Oui. Le Koso, c'est un choix pour moi. J'ai quand même envie aujourd'hui que l'accusé nous situe. Parce qu'il a pris le Ndjiou dans ce pays qui allait quand même jusqu'à un certain niveau. Mmh. Qui après a eu du plomb dans l'aile. Aujourd'hui, il vient avec le Koso. Et il nous a dit il y a quelques instants que sur son album, il n'y a pas que du Koso. Il y a également du Ndjiou. On a envie de savoir, Willy Mignon aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait exactement? Est-ce que c'est du Koso? Est-ce que c'est du Ndjiou? Ou est-ce que c'est un mélange de tout? On a envie de savoir. Et pourquoi avoir lâché prise en ce qui concerne le Ndjiou? Je me perds souvent dans vos questions parce que je trouve souvent que vous vous contredites. J'ai dit. Non, pas du tout. Et vous l'avez dit. Que moi-même j'ai dit. C'est pas vrai. J'ai dit. Et vous-même vous l'avez dit que sur l'album, il y a du Ndjiou et puis il y a du Koso. Et j'ai dit qu'à part le Ndjiou et le Koso,
Il y a des sons afrobeat sur l'album. Ça là, ce n'est même pas encore à aller chercher. Je l'ai dit et c'est, l'album est là. On est d'accord? Donc ça veut dire que aujourd'hui, Willy Mignon fait du Nudiou, Willy Mignon fait encore du Koso, Willy Mignon fait aussi de l'afrobeat. On est d'accord? Maintenant, si vous reconnaissez avec moi que sur l'album, il y a du Koso et qu'il y a aussi du Nudiou, ça veut dire que moi, je n'ai pas lâché prise. Parlant du Nudiou. À un moment donné, ne reconnaissons moment, pas, vous ne l'avez dit. Je viens à un moment donné. Vous avez commencé parce que quand vous avez rangé le Ndiou, vous avez commencé par lancer le Koso. Et en Côte d'Ivoire, sur une émission Beach de la 2, vous êtes allé, bien sûr, pour la promotion du Koso. Vous étiez invité sur le plateau. Bien sûr. Si je vais sur un plateau, je dois avoir un sujet à développer. D'accord. Et au même moment, vous avez lancé une campagne pour inviter les artistes. Il y avait même des forums qui étaient proposés, bien sûr, pour que les artistes lancent maintenant véritablement le Koso. Non, je ne me reconnais pas dans ça. Je reconnais que j'ai créé des forums Koso parce que si je fais une musique, je dois faire la promotion de cette musique. On est d'accord? Si aujourd'hui, le single que je veux lancer, le single est Koso, je dois faire la promotion du Koso. Je dois faire la promotion du concept que je suis en train de défendre. Ça ne veut pas dire que je vais appeler tout le monde à faire la même chose que moi. Le Koso, c'est une musique du Bénin. Les gens le faisaient avant moi. Si moi, j'ai décidé de développer le Koso à ma manière, je ne suis pas appelé à inviter tout le monde à le faire comme moi. Mais le Koso, quel est son résultat? Est-ce que ça évolue ou bien ça piétine? Ben pour moi, ça évolue. Vous pensez? Parce que en fait, ce que les gens ne comprennent pas, le Nudiou, vous l'avez découvert, ou bien le vrai succès du Nudiou, vous l'avez connu peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans même, après la naissance même du Nudiou. On est d'accord? Quand moi je traînais dans les petits spectacles, dans les rues, dans les studios avec le Nudiou au départ, personne ne me connaissait, personne ne me reconnaissait. C'est quand ça a pris réellement que c'est devenu du succès, du boom, que tout le monde a reconnu. On est d'accord? Aujourd'hui, je viens de faire 1 an avec le démarrage du Koso et moi je sais ce que ça donne. Il y a des spectacles où quand je vais même... Pourquoi vous parlez de démarrage du Koso alors que ça a déjà fait 1 an, il n'y a plus de démarrage, je pense? Non, j'ai dit 1 an jour pour jour après le démarrage. C'est-à-dire j'ai démarré la promotion, c'est-à-dire le premier single du Koso que j'ai lancé, ça fait autour de 1 an maintenant. On est d'accord? Donc moi, je ne lâche pas prise. Je continue avec la promotion de ce rythme parce que c'est un rythme de chez moi. J'ai décidé de valoriser ça. Le Koso ne va pas mourir aujourd'hui, ça ne va pas mourir demain. Ça existait depuis. Donc sur tous mes albums, il y aura toujours des morceaux Koso. Que des gens l'aiment, que des gens ne l'aiment pas. Moi, je sais que il y a des endroits où je vais, où les gens, c'est-à-dire, ils veulent entendre du Koso ou rien. C'est dans votre zone? donc, chez vous, il n'y a personne qui aime le Koso. Ben, oui, mais est-ce que vous le dites parce que nous, on n'est pas avec vous. Votre honneur, est-ce que non, c'est votre Koso ou c'est le Koso naturel que les gens veulent écouter? Est-ce que vous êtes sûr, vous avez des identifiants clairs pour nous dire que c'est votre Koso principalement que les gens veulent écouter ou parce que les gens aiment naturellement écouter le Koso parce que c'est un rythme du Bénin? Monsieur le procureur, vos questions m'étonnent, quoi. Le Koso, c'est pour le Bénin. Si j'arrive quelque part et que les gens aimant le Koso du Bénin me demandent de leur jouer du Koso, ok. Les gens ne veulent pas écouter mon Koso, mais les gens veulent écouter le Koso du Bénin que je fais. Simple. D'accord. On a compris. On rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes bien sûr sur Culture Radio, Culture TV. Et pour ceux qui veulent nous écrire via WhatsApp, c'est bien sûr le Vous avez par exemple dit que la fois dernière, vous aviez une équipe. Vous me permettez, une équipe qui était sur... Vous me permettez, Willy Mignon, vous me permettez. Oui. Je rappelle, passe une information donc très importante, il ne faudrait pas l'occulter. Je rappelle à ceux qui nous suivent, qui sont connectés Culture Radio, Culture TV, qu'ils peuvent toutefois nous écrire ou nous appeler au plus 229 91 00 73 73 affiché au bas de votre écran. Pour ceux qui sont sur notre chaîne de télé, ils peuvent toutefois avoir l'information. Oui, vous nous écrivez via WhatsApp au plus 229 91 00 73 73. Et pour ceux qui veulent télécharger l'application de notre radio, de notre télévision, c'est bien sûr aller dans Play Store, télécharger l'application en écrivant Cultu, K-U-L-T-U TV-Bar Radio. Vous allez télécharger l'application et l'installer. Facebook, retrouvez-nous sur l'adresse suivante Cultu TV. Voilà, on va évoluer maintenant avec le dernier chef d'accusation, mais avant, on va demander à votre défense. On ne sait pas, Maître Alphonse, s'il a quelque chose à dire.
s'il nous suit, est-ce que Maître Alphonse a quelque chose à dire? On va évoluer. Est-ce qu'il est longtemps resté mieux, toi? Moi, oui. Je n'ai rien à dire. D'accord, l'artiste se défend déjà bien. Quatrième chef d'accusation, on y va. C'est pratiquement le dernier. Willy Mignon preste depuis quelques temps pour de maigres cachets, ce qui n'honore pas l'artiste. Qu'est-ce que vous en dites? Je veux les preuves. Vous voulez que la Cour vous produise des preuves, c'est ça? Oui, oui. Ce n'est pas. Il y a manquement au respect des consignes de la maison. Manquement des tests de la maison. Je pense que ça ne nous revient pas de vous donner des preuves. Bah, voilà. Ok, je ne reconnais pas. Votre honneur, vous permettez? Oui, allez-y. Vous permettez? Votre dernier cachet, celui que vous trouvez qui n'est pas maigre, il est de combien? Sur un spectacle de nuit. Je voudrais pas le dire. Bah, si, pense que ce n'est pas. Si. On parle pas là d'énigme, hein. On peut quand même avancer un cachet. Un cachet d'un artiste. Parce que ici, nous avons avancé dans le chef d'accusation que vous recevez depuis un bon moment de maigres cachets. Et vous avez dit que vous ne vous reconnaissez pas avoir pris de maigres cachets. Et donc, la question est de savoir votre dernier cachet qui n'est pas maigre, il est de combien? 10 000. Il est de 10 000. 10 000, 10 850 francs. Vous ne pensez pas que c'est ridicule pour un artiste de ce rang-là d'aller prester pour 10 000 francs? Ben oui, c'est parce que vous me posez la question comme ça que je réponds comme ça. Parce ça veut dire que vous avez, moi juré, vous avez juré de dire la vérité. Et là, vous êtes en train de jouer avec votre image. Oui, c'est pas grave, c'est le public me suit. Mon public sait que je ne peux pas percevoir un cachet de 10 850 francs. Et pourquoi vous annoncez alors ce montant à la face du monde entier? Oui, à la face du monde entier, parce que je sais que mes fans connaissent ma valeur. Mes mélomanes connaissent ma valeur. Voilà. Donc je ne voudrais pas. Honneur, ça, oui. c'est des secrets entre mon staff et moi, clients et moi et tout. D'abord, c'est pas moi directement qui négocie les cachets. On est d'accord? Mon staff, pour une raison ou pour une autre, en tout cas, peut décider de prendre tel ou tel cachet. On est d'accord. Moi-même, pour des affinités, ou bien pour une raison ou pour une autre, je peux décider de prendre tel ou tel cachet. C'est pas sur un plateau de télé ou de radio que je vais venir dire ouais, je prends tel cachet. On ne vous a pas demandé d'étaler vos cachets ou d'étaler. Vous m'avez demandé de donner un chiffre et j'ai dit que je voudrais pas le donner. J'ai demandé votre dernier cachet. Et j'ai dit 10 850 fois. Et votre honneur, je pense que l'accusé, et si ça c'est l'un de mes plus gros cachets. Je pense que l'accusé si est en train de se défiler face à la question parce qu'il n'aimerait pas avancer véritablement qu'il a de maigres cachets, parce qu'on sent lui qu'il est en train de vouloir cacher véritablement le fait. Il a un secret, c'est ça? Non, ou du moins ce qu'il se sent peut-être diminué véritablement. Diminué par ses cachets, voilà. Oui, qu'il a reçu. Donc c'est pour ça. Je l'accepte comme ça. Je l'accepte comme ça parce que moi je vous dis, j'aime quand les c'est une accusation. On est d'accord. Une accusation doit avoir de preuves. Nous sommes dans une cour. Et la cour doit fonctionner comme n'importe quelle cour. Je pense qu'une question vous a été posée. Et maintenant, la question a été posée. J'ai répondu déjà à la question. 10 850. On est d'accord? 10 850 francs, c'est mon plus gros cachet que j'ai pris en 2019. Point. D'accord, c'est compris. En tout cas, on prend note. On sait désormais que quand on revoit le parcours de l'artiste, on revisite un peu lui, son travail, tout ce qu'il a eu à faire par le passé, qu'il nous dise aujourd'hui qu'il a eu comme cachet, si ce n'est pas un cachet minime de 10 000 francs. Le plus gros, hein. Non, soyons objectifs. Hein. Vous allez respecter quand même ceux qui vous suivent et les fans qui vous suivent également. Les fans qui me suivent savent que je ne peux pas prendre ça. Donc, c'est une manière de parler pour qu'on quitte ce sujet, qu'on aille à autre chose. Et vous trouvez que vos fans qui vous suivent et qui vous apprécient aimeraient que vous défilez de la sorte? Bien sûr. Ils vous aimeraient? Oui, ils aimeraient. Vous avez de sacrés fans, vous. Ben oui. Votre honneur, on peut... Oui, nous sommes pratiquement à la fin de ce procès parce qu'il nous reste encore 3 minutes avant de conclure et avant, bien sûr, de venir au délibéré final. On va quand même recueillir l'avis de
de l'accusé. Qu'est-ce que vous pensez de ce que de l'exercice déjà? Vous êtes prêté aux différentes questions. Quels sont vos avis? Mes avis ont été déjà donnés. Non, je parle du cas question. Général, parce que là maintenant on est en train de finir. Non, moi je pense que la cour n'a pas cherché à écouter l'artiste. Vous le, pour vous faire pensez réellement la part des choses. Vous pensez bien la qu'on ne vous a pas écouté. En ces 5 minutes, vous avez tout dit. La cour a des préjugés. Mmh. On est d'accord. C'est des questions, peut-être même que le procureur lui-même. C'est des préoccupations du procureur lui-même. Moi, j'aurais aimé que ce soit des préoccupations du public, des préoccupations des fans. Vous avez travaillé avec le procureur. Et que le procureur et le juge soient au milieu maintenant pour essayer de mettre la lumière. On est d'accord? On vous a maintenant, soumis. Quand j'écoute le procureur, je sens que c'est ses positions à lui que lui-même essaie même de défendre. C'est dit, il n'essaie pas d'écouter l'artiste pour voir, ok, à tel moment... Vous êtes venu pour vous défendre. Bien sûr, je me suis défendu et vous m'avez demandé mon avis procureur, général. Oui, le procureur... J'ai dit d'abord que j'ai déjà répondu. D'accord. On est d'accord? Et vous me dites, quel est mon avis général par rapport à l'assise? Je donne mon avis général par rapport à l'assise. Un mot pour vos fans maintenant. Un mot pour mes fans. Mes fans, c'est ceux-là que je respecte le plus. C'est ceux-là qui connaissent le plus ma valeur. C'est ceux-là qui m'adorent le plus. Et c'est ceux-là que j'ai envie de satisfaire le plus. Pour moi, comme je l'ai toujours dit, tout ce qu'on a fait, on considère que c'est rien. C'est maintenant qu'on veut reprendre les bonnes choses. D'accord. Et on va le faire bien, comme il le faut. Voilà, l'album Kosso du 129 est lancé. C'est 14 titres, 14 tubes. Pour moi, voilà. 14 donc, tubes aussi. Voilà, 14 d'accord tubes. Donc, savourez Kosso 229. Vivez le Vivi 229 à travers 2020 et tout et tout. Et c'est ça. Merci voilà beaucoup. Merci. Alors, le délibéré final, hein, on va quand même demander au procureur par rapport aux différents chefs d'accusation, votre avis. On va voir un peu avant que je ne puisse quand même donner le verdict final. Déjà, votre honneur, je tiens quand même à notifier à l'accusé que plusieurs autres personnes sont passées avant lui dans le même exercice avec qui nous avons eu les mêmes comportements et les mêmes attitudes. Je trouve que pour la part cet accusé n'a pas véritablement essayé de se défendre à pas sur le troisième chef d'accusation où il a quand même réussi à convaincre la cour en ce qui concerne bien évidemment le fait qu'il impose sa musique ou pas. Sinon, sur les autres arguments, il a été beaucoup plus dans du subterfuge que de nous donner de véritables arguments pour se défendre. Et je pense que ma proposition serait quand même que vous puissiez, au niveau de cet argument-là, au niveau du troisième, véritablement le féliciter pour cela. En ce qui concerne les autres chefs d'accusation, je pense que la partie civile reste toujours sur sa fin. Merci beaucoup, procureur, pour votre mot final. Et tout de suite, le verdict, coupable ou non, c'est parti. Alors, on rappelle d'abord que, comme chef d'accusation, il y a eu d'abord une mauvaise gestion de son succès. On en a parlé. L'artiste a essayé d'apporter de la lumière, d'apporter des arguments. Il a rappelé qu'il n'avait pas connu un succès, que c'est maintenant que le travail commence. Deuxième chef d'accusation, à part le Soyoyo de Robinson Sipa, Willy Mignon était sur le chemin de donner au Bénin une nouvelle musique identitaire. Mais ce projet n'a pas abouti car il a été influencé par du coupé décalé. Et également à ce niveau, il a tant bien que mal essayé d'apporter quelques informations. Mais sauf on n'est quand même pas totalement satisfait à ce niveau. On aurait voulu que l'accusé puisse quand même justifier ce qui a modifié sa musique aujourd'hui, mais il n'a toujours pas réussi à le faire. Troisième chef d'accusation, Willy Mignon est également arrangeur de son. On lui reproche d'imposer ses rythmes personnels à certains artistes, ce qui ne connaît toujours pas du succès. Et là, il faut le dire, il faut le reconnaître, il a essayé de se défendre valablement. Il a essayé de montrer qu'il n'impose pas son rythme. Certains sont attirés par ce qu'il fait comme travail et voudraient bien sûr copier
voulu emboîter les pas. Donc, il n'impose pas de rythme à quelqu'un. Quatrième chef d'accusation, Willy Mignon, perçoit plutôt quelques des miettes de maigre cachet lors de certains spectacles, ce qui n'honore pas l'artiste. L'artiste a totalement refuté cela. Il n'est pas dans ce cas. Il ne perçoit pas de maigre salaire. Et pour jouer un jeu d'ironie, il a parlé de 10 000 francs CFA qu'il percevrait comme dernier cachet. Alors en somme, on retient que l'artiste s'est défendu du début jusqu'à la fin de cette émission. Et il est déclaré non coupable. Non coupable parce que l'artiste se bat quand on prend d'autres arrangeurs de son. C'est l'un des artistes, jeune artiste béninois, qui se défend énormément quand on parle de musique, qui propose des choses, même s'il y a des périodes de difficultés intenses. Il est toujours présent, il fait ce qu'il peut et également relance d'autres artistes. Donc ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est le fait d'avoir laissé ce temps, d'avoir laissé le Ndiou. Laisser le Ndiou pour faire d'autres choses alors que le Ndiou était bien lancé comme bien sûr le Soyoyo. Et ce qu'on lui demande à ce niveau précisément, bien sûr au niveau du chef d'accusation numéro 2, c'est que Willy Mignon fasse l'effort de redonner vie au Ndiou, qu'il fasse l'effort de redonner vie à la danse Ndiou et que le Bénin triomphe bien sûr de par sa musique. Qu'est-ce que vous en dites Willy Mignon par rapport à ce verdict final? Moi je... Il y a un message que j'ai toujours lancé aux Béninois. Si les Béninois veulent qu'il y ait un rythme qui transcende et qui représente valablement le Bénin partout ailleurs, c'est l'affaire du Bénin. C'est pas l'affaire d'une personne. On est d'accord? Si les Ndiou a atteint un apogée et après c'était le déclin, c'est parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement. Il n'y avait aucun accompagnement. D'accord. Moi, je ne reconnais personne au Bénin. Personne. Même pas l'État ou bien personne qui a dit Willy Mignon, voilà ce que tu fais, c'est arrivé à un moment. C'est aujourd'hui que les gens reconnaissent que le Ndiou voulait faire ci, voulait faire ça. En ce moment, je n'avais que des adversaires. C'est ce que je vous dis. D'accord. On est d'accord. Personne n'a cherché à valoriser le Ndiou avec moi. C'est parce qu'aujourd'hui, parce que moi j'ai compris finalement qu'il ne fallait pas compter sur les Béninois. 5 secondes rapidement. Pour faire quelque chose de grand. Merci donc, beaucoup. Je me suis dit, il faut quand même que je recommence quelque chose à zéro et que je ne pense plus seulement aux Béninois, que je pense au monde entier parce que il n'y a personne qui est prêt pour toi. Merci beaucoup à vous, Willy Mignon, d'avoir accepté répondre à nos différentes questions. C'est la fin de cette émission. On remercie l'équipe de réalisation, l'équipe technique. On dit merci aux auditeurs qui sont restés scotchés à cette émission. Rendez-vous est pris très prochainement avec un autre artiste ou une autre personnalité culturelle. Au revoir. La coup. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance ?